Les hormones font toute la différence. J'espère que vous avez maintenant bien compris à quel point donner à son partenaire ce qu'on aimerait recevoir est le contraire de ce qui fonctionne. Bien sûr, dans certains domaines, hommes et femmes réagissent pareillement. Nous voulons tous être heureux, en sécurité, réussir et être aimés. Mais ce qui contribue à atteindre ces objectifs peut être très différent, et cela en raison des dissemblances hormonales. La réussite. Tout ce qui conduit un homme à atteindre le succès et élève de ce fait son taux de testostérone est une grande source de motivation pour lui. Il se sent plein d'énergie. Les femmes apprécient certainement qu'on remarque leur travail, mais les récompenses n'ont pas d'effet anti-stress pour elles. Elles s'interrogent souvent sur les raisons qui motivent les hommes à s'attribuer le mérite des projets aboutis. C'est pourtant bien simple. Quand ils se voient reconnus pour leurs efforts, leur taux de testostérone grimpe. Les femmes ne sont que peu sensibles à se voir félicitées pour leur réussite, puisque la testostérone produite n'influe pas sur leur bien-être. En revanche, si un homme apporte le soutien nécessaire à une femme pour l'aider à atteindre ses objectifs, et surtout sans qu'elle l'ait demandé, cela la conduira à produire de l'ocytocine et elle lui en sera très reconnaissante. L'assistance. Les hommes n'apprécient pas de se voir offrir de l'aide à moins qu'ils n'en aient exprimé la demande. Apporter son appui à un homme confronté à un problème revient à impliquer qu'il ne sera pas compétent pour le résoudre seul. Or, un homme fonde sa confiance en lui sur son sentiment de compétence. On retrouve à nouveau dans ce phénomène une explication hormonale. Quand il a résolu son problème sans contribution extérieure, l'homme produit davantage de testostérone. Recevoir de l'aide stimule la sécrétion d'ocytocine et cette hormone n'a pas d'effet bénéfique sur le stress masculin. Les femmes, même dans la sphère professionnelle, sont en général plus inclines à accepter l'appui proposé. Sur Vénus, la qualité des relations importe plus que la réussite. Une femme éprouvera un plaisir accru à atteindre son objectif si elle a pu bénéficier de la contribution de ses collègues. Les hommes n'aiment pas demander leur chemin s'ils sont perdus. Ils remettent en général à plus tard une consultation médicale. Nous pouvons encore trouver une explication hormonale à ces particularités masculines. J'ai posé la question aux hommes venus participer à mes séminaires. Je leur ai demandé « Lorsque vous êtes perdus, vous arrêtez-vous pour demander votre chemin ?» Ils ont répondu par l'affirmative pour la plupart. Leurs partenaires ont émis un rire dubitatif. En vérité, ils s'arrêtent bien pour demander de l'aide, mais seulement s'ils sont seuls. Quand le couple se trouve ensemble en voiture, sa partenaire remarque avant lui qu'ils sont égarés. Cela l'incite encore plus à souhaiter s'en sortir seul. Le phénomène est similaire quand il s'agit de faire appel à une assistance médicale. Il se tournera vers un professionnel, mais seulement quand il aura acquis la certitude d'avoir tout tenté pour s'en sortir seul. Quand il a épuisé toutes ses ressources personnelles, recourir à de l'aide peut produire de la testostérone, car cela signifie résoudre le problème. La différence réside finalement davantage dans le timing. Les femmes recherchent du soutien plus rapidement que les hommes.